Pas de surprise, Thomas Milich pour Seattle, William Rousseau pour Québec. On est presque prêt pour la première mise en jeu. Jared Davidson, l'espoir du Canadien face à Nathan Gaucher. C'est parti, bonne soirée à l'antenne de RDS. Là, le tir qui a été bloqué par Rochette et c'est la relance de Charles Savoie. Savoie qui laisse derrière à Paul Duc. Bon tir de Paul Duc et le but! Le retour qui a été saisi par Théo Rochette et dès la 54e seconde, c'est 1-0 Québec. Quelle belle montée, ça rappelle un peu le... Il avait perdu son bâton et ça va donner une chance de 2-1 avec Gaucher. La passe de l'autre côté, le tir, bel arrêt de Milich. Il avait vu cette passe vers... Il n'a pas joué au baseball quand il était jeune. Ou ça fait longtemps. Ça voit la remise devant Bolduc et Bolduc a devant le filet. Au dernier moment, on l'a gêné. La remise à Nicolas Savoie. Poussé plus loin vers Gryson Sauchin. Sauchin qui remet de l'autre côté là, pour Hanzel. Le tir d'Hanzel bloqué, retour devant et Rousseau a dû être vigilant. Malatesta là-dessus. La rondelle demeure en territoire de Seattle. Robida s'avance à l'embouchure du filet. Malatesta a tenté de faire dévier. Les remparts là, qui ont repris l'allure un peu là, de ce qu'ils avaient en Prankovic au centre. Et attention, ça peut donner un 2-1 sans désavantage numérique. Prankovic devant et l'arrêt de Rousseau important puisque Gunter arrivait du côté gauche. Ouais, c'est pas un client facile, Gunter, quand il arrive près du filet, s'il y a un retour de... Sauchin qui contrôle en zone des remparts, la passe du côté gauche, le tir de Davidson, bel arrêt de William Rousseau qui s'est bien déplacé à sa gauche. Check par Bolduc. Bolduc là, qui s'est emparé de la rondelle, pousse plus loin et 2-0, le tir et le but! Quel but marqué par Théo Rochette et quel travail de Zachary Bolduc! La mise en jeu, la mise en échec plutôt à l'entrée du territoire, 2-0 Québec. 6-5, 2 minutes 27 à écouler. Korchinski à Gustafsson, le tir a raté. Retour de l'autre côté, le but. Les Thunderbirds qui réduisent l'écart 2-1. Allen qui a sauté sur cette rondelle libre, il avait appuyé l'attaque. C'est pas terminé. Et là, Milich va... Korchinski qui renvoie en zone adverse. Là, les remparts, il n'y a pas de pression sur les remparts. Alors, le dégagement jusqu'à l'autre bout. Et oui, c'est dans le filet. Truchon. Charles Truchon qui marque à 200 pieds de son filet avec 17 secondes. Marc-André, les remparts s'en vont en finale de la Coupe Memorial dimanche prochain.